Demain soir. Demain soir, je sais pas. Sûrement du dredge. Mais on se laissera porter par le courant. Ah, c'est pas ce poisson-là que je cherche. Non. Là-bas. J'allais dire puis on Ah mais ça va entre mars et mai, on a avril. J'ai cru qu'on était au mois de mai. Nickel. Tout va bien, faut saler. Alors, non, pas chantier naval, cale sèche, dock flottant, si tu veux. Manque de bois, milord. On a beaucoup trop de conneries là-dedans. Parfait. Ouais, ça passe. Dans l'absolu. Dans l'absolu. Les vidéos que t'as mis, théoriquement contre les règles. Après, tu peux difficilement faire parler de Combat Mission sans parler de Usually. Donc ça passe. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme poisson? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Genre une anguille? Mangrove. Ça va pas être cette anguille-là, apparemment. Pourtant, ça devrait. Ok. Et Artfi a raison. Hein.
Même si anglais, ça s'écrit avec un A. Usual Yaples, c'est vraiment une référence sur le combat des chats. Et alors, lundi, c'est quoi? De jour ou de nuit? C'est de nuit. C'est dommage qu'il n'y ait pas une possibilité. Elles sont où les règles? Là, dans le dans règlement et accès ou en dessous du stream? Non, non, mais c'est ok, vraiment. Globalement, le seul truc que je demande, c'est de ne pas promouvoir d'autres chaînes. Mais comme j'ai dit, Usually a place, il n'y a pas le choix. Et là, c'est dans un but pédagogique. Donc c'est ok. Je veux juste pas de promotion sauvage. Voilà, c'est juste pour éviter les débordements. Ouais, le PDF c'est ok, bien sûr. Ça touche vraiment uniquement aux créateurs de contenu. Par contre, si vous êtes créateur et que ce soit sur internet ou une boutique ou quoi que ce soit, il y a un espace auto-promo qui est là pour ça. Genre, vous êtes streamer, vous faites partie de la communauté, vous voulez quand même en parler un petit peu, vous pouvez faire un post sur auto-promo. Une heure cramer du carburant pour rien. Okay. Mais t'as raison, je rajouterai la mention de une exception pour tout ce qui est but pédagogique, parce qu'il n'y a pas de raison de bloquer ce genre de contenu. Et Acta, est-ce qu'on peut renommer Combat Mission en Combat Mission tiré du 6 ressources? Comme d'astatique. Ouais, voilà, c'est ça. Ce genre de gens. Après, c'est bon, si c'est un let's play ou ce genre de truc, non, évidemment. Mais les vidéos tutoriels, ce genre de choses, il n'y a pas de raison logique de l'empêcher, de le bloquer. Merci beaucoup. Champignon qui m'a craché dessus. Ah, super. Mais du coup, ouais, c'est juste le petit dessin. Pour moi, le dessin ne correspondait pas exactement. C'était quoi ce bruit? Ah, juste ça. Si jamais vous avez le moindre doute sur le Discord ou quelque chose, vous me contactez par MP, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de peine de mort de toute façon.
personne se fera exécuter. Je suis où, moi? Oh, je suis pas du tout là où je devrais. On est d'accord que les publis type IRSEM ou assimilés, c'est bien général. Oui, dans l'absolu, c'est général. Faudrait, en fait, il faudrait que je fasse un chan qui soit, qui se prête à l'actualité. Le problème, c'est que j'ai pas nécessairement envie qu'on parle trop d'actualité, parce qu'il y a des gens qui sont, enfin, il y a des endroits plus adaptés, mais surtout, il y a des gens qui ont besoin de fuir un peu ce qui se passe dans le monde réel, et j'ai pas envie de les bloquer avec ça. Mais ouais, on va trouver quelque chose. Ah bah super. Ah c'est merde. Ça m'apprendra à faire n'importe quoi. Bon bah on y retourne. C'est quoi? On va faire un channel pédagogie. Et ressources pédagogiques. Ça te semblerait ok? Attends, Hecta. C'est super gentil, mais enfin, il est minuit 15. Le coût des ressources, je préférais le faire maintenant, mais le reste, on peut voir ça demain sans problème. Ou RI. RI pour... Relations internationales? Non. On va éviter relations internationales. Si t'as des ressources pédagogiques qui touchent à l'actualité, on tombe dans le même problème? Non. Parce que c'est des ressources pédagogiques, c'est fondé, c'est étudié. Donc j'ai pas de problème. Le pur actualité. Après, ce sera un channel dédié, tu vois. C'est un peu comme comme besoin de parler. Il reste quand même séparé. Et dans l'absolu, le problème avec ça, c'est que si on veut diversifier le Discord. Si on veut pouvoir l'ouvrir à tous les types de dialogues, ou plutôt à tous les sujets, il y a des trucs qu'on doit forcément faire des compromis. Et je préfère franchement un channel ressources pédagogiques qui touche un peu à l'actualité, que mettre de l'actualité dans l'histoire. C'est pas parfait, j'en ai bien conscience. C'est danser sur un pied pour pas se marcher sur l'autre. On va donner la plaque. Je peux pas le payer ça.
Ça, je peux, par contre. Ligne hydraulique. Plutôt cool. Parler de ressources pédagogiques, je me pensais que tu utilises Isidore. Je connais pas du tout Isidore. Archive internet, du coup c'est légal comme comme outil. Le PDF que tu viens de poster. Ouais, ok. C'est ça que j'ai précisé. Pardon, j'ai pas eu l'occasion de. Je peux surveiller d'un œil. Ok, cool. Osprey, ils font des bons bouquins. Le prix est un peu élevé, mais globalement, c'est sympa. Enfin, il est élevé. Non, c'est pas qu'il est élevé, c'est que... Par rapport à ce que tu te retrouves dans les mains, ça peut paraître un peu élevé. Parce que c'est pas beaucoup de pages. Mais la recherche qui est faite derrière vaut tout. Juste pour dire que je mettrai rien de pas légal. Oui, oui, enfin, merci. Enfin... C'est normal, mais merci quand même. Les anguilles. Les anguilles, et ensuite on pourra terminer une quête principale, je crois. C'est cool. Et puisqu'on parle des différents salons Discord, le besoin de parler, ça va qu'on a créé il y a 2 semaines, ça marche aussi pour, à la limite pour l'actualité, tu vois, s'il y a un truc que tu vois qui va pas pour toi ou qui te... Voilà, c'est là, si tu veux en parler quelque part, ça va être là. Une anguille. C'était quoi ce truc là? Qu'est-ce qu'il y a ce terme? Oh, je pense que c'est quelque chose qui a essayé de choper un poisson à bord, mais on n'en a pas. On n'en avait pas. De toute façon, si vous avez des idées de salon ou quelque chose, le Discord est. Ces derniers temps, il est amélioré tous les 2 semaines. Enfin, il est modifié au moins tous les 2 semaines. Si vous avez des idées ou quoi que ce soit, partagez-le. Et puis, généralement, jusqu'à présent, c'est mis dedans. Soumis au droit d'auteur le dernier poste. Si c'est légal, ça devrait être bon, non? Mais c'est pour ça que je me posais des questions. Et pourquoi pas qu'on fasse ça de jour. T'as un doute aussi? Au minimum, ce que tu peux faire, c'est mettre la référence du bouquin. Ouais, s'il y a un doute, je préfère honnêtement faire ça. Mais j'ai même pas touché. On a foutu l'anguille par-dessus bord, c'est pour ça qu'on transporte plusieurs.
2004, ça me semble récent, mais je connais pas la politique de Splay. Mais tu vois, bêtement, moi je pensais que c'était sur Archive, c'était bon. Mais je fréquente pas Archive. Oui, ça. Super. Surtout qu'il n'y a pas de mention de licence. Ah ouais, donc c'est mort. Si effectivement ça pue, ça pue. Non, te fais pas de... T'inquiète. T'inquiète, Harpy. Je vais pas te blâmer pour mon manque de connaissances. Derrière. C'est pas pour rien qu'il n'y a aucune musique autre que celle du jeu sur le stream. Ce genre de considération, ça me dépasse complètement et je préfère honnêtement pas y toucher. Par contre, Osprey fait des promos de temps en temps et sur le. Alors, autant leur format papier, bon, en plus avec le Brexit, c'est un peu compliqué le truc. Mais en format numérique, ils ont de bonnes offres souvent. Et sur les retours histoires, je me sers souvent de leur bouquin pour parler d'un nombre d'appoints précis. Les retours live, pardon. Perdu encore. Et on va passer par l'extérieur, ce sera à peu près aussi rapide. Je crois que ce site met à dispo ce qui est plus édité, mais c'est pas très clair sur les droits d'auteur. Lequel? Ok, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Archive.org. Ah pardon, j'avais pas vu. Je croyais qu'on était encore sur l'autre. Salut Borbo. Siub, c'est quoi ça? Borboropactus, pour être exact. Tu vas bien? La vie pour la recherche universitaire?
Tu vois, ça c'est des trucs que moi je connais pas du tout. Et avec un gros drapeau noir. Ah, du coup c'est noble. Le drapeau noir c'est super bien entre vous, mais pas ici. Il se penche et plonge son couteau dans la chair molle, s'ouvre sous sa lame, recelant un éclat métallique. Avec un bruit écœurant, il extirpe l'objet de la chair de la créature et le tient devant ses yeux. C'est un collier qui brille dans le sang. Bien, chance nous sourit enfin. Ça devrait vous rapporter une belle somme auprès du bon collectionneur. Tenez, prenez-le. C'est une russe qui a fait un site qui est hébergé sur différents domaines pour bypass les paywalls. D'accord, super. Je peux voir l'aspect pratique de la chose. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'incertitude là-dessus. Mais moi, j'ai des responsabilités derrière. Donc non. Et avec, au fait, on peut peut-être lui dire, tu peux venir avec moi maintenant, non? Ou il reste là? Il va pouvoir débloquer un nouveau pouvoir, je crois. Non. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je n'en suis pas sûr, je pensais vous demander de m'escorter loin de cet endroit, mais c'est un peu devenu mon nouveau foyer. Je n'ai pas envie de laisser mes camarades ici, je vais rester encore un peu. Pendant ce temps, je peux vous fabriquer un appât spécial, ça devrait vous aider pour pêcher. Vous pourriez me fabriquer un appât? À utiliser pour attirer toutes sortes d'espèces. C'est un acteur majeur de la recherche dans les pays émergents, et pas que, mais sans en faire la promotion, juste savoir que ça existe quand on navigue autour du milieu universitaire. Fait partie quasi de la culture du milieu. Ouais, bah du coup je me doute, surtout que bon, le milieu universitaire c'est pas forcément ce qu'il y a de plus accessible pour tout le monde. Je vais aller dodo, je rajouterai des trucs au fur et à mesure. Ça marche, Arfi, repose-toi bien. Je suis dans la recherche et je ne savais pas dans quel domaine, si ça te va d'en parler. Merci Arthur, hein, vraiment. C'est cool de t'avoir parmi nous. On nous présente ces outils en cours licence dans mon parcours. J'ai pas vraiment fait de licence. Je l'ai commencé, mais c'était il y a un moment déjà, et puis je l'ai pas échoué pour rien. J'étais vraiment jeune et con à l'époque. Spécialiste en taxonomie des araignées. Super. Parce qu'il n'y a pas assez d'araignées dans les jeux vidéo. Bon, bah bienvenue, hein. Du coup, c'est quoi? C'est l'étude des araignées?
50 000 espèces dans le monde de Conny. Yeah! Généralement, on dit, je vous ai jamais dit d'ailleurs, mais faut pas le faire, c'est mal bout. Moi, c'était super outil. C'est pas infesté de virus, tout ça? Identification des araignées, description de nouvelles espèces. Cool. Je suis arachnophobe, mais... Enfin, ça a l'air super... Sur le principe, ce genre de boulot, c'est super cool. Vous entrez dans la maison en tenant le collier orné. Le collectionneur le reconnaît presque sur le champ. Ah, ça baille pas. Ok, d'accord. Je vais l'oublier de suite. Bien sûr. Je sais pas, les opions, les faucheux. Oui, c'est pas des araignées, ça, ces trucs-là. C'est une autre catégorie. Qui est du coup opion, je suppose. C'est pourtant les meilleurs non-araignées. Non, Hector, c'est horrible. Splendide découverte, il mériterait une place de choix dans ma collection. Il écarte les documents sur une table poussiéreuse dont les coins sont tachés par la cire de bougie, puis il place soigneusement le collier. J'imagine que vous voulez une récompense en échange. Vos futurs voyages devraient être un peu plus rapides, si vous permettez. Il choisit un des rubans argentés qui pendent de son livre pourpre, ouvre celui-ci à une page que vous ne distinguez pas. Se tournant pour profiter du ray de lumière, il lit la page en murmurant. Au bout de quelques secondes, vous ressentez une douleur au ventre, comme si une vague vous avait heurté. L'homme referme le livre et vous observe. Bien, il y a d'autres lits à trouver, continuez vos recherches. On a débloqué un TP. Autres ordres, les... Amblipiges. Oh. Mon intuition me dit que le courant a dû charrier des débris jusqu'au sud-est en direction des falaises de Soufflevent. Cherchez là-bas. J'indique un lieu sur votre carte, c'est là que vous pourrez commencer votre recherche. Autre chose? Non, c'est tout. Ok, donc on va aller à Soufflevent maintenant. Mais avant ça, on va faire une mise à jour du navire. Qu'est-ce qui t'amène ici, Borbo? Ah, merci pour le partage, Yann. Attends, j'essaye de faire plusieurs trucs à la fois, ça ne marche pas. La gardienne du phare vous attend sur le quai. Elle n'a pas l'air contente. J'ai vu partir vers l'horizon, traverser cette étendue profonde. Je trouve ça prudent? Pas ma mère, grand-mère. Quel problème? C'est un peu jouer avec le feu, tu ne trouves pas? Mais sur l'eau, les choses vont suffisamment mal ici pour que tu sèmes le chaos. Elle s'en va brusquement tout en marchant sur le quai. Elle observe l'eau. Alors la raison pour laquelle je demande ce qui t'amène ici, c'est que depuis 3-4 jours, YouTube explose pour moi. C'est trop bien. En ayant regardé plus, archive.org, ça rentre dans la même chose que les abandonware, donc la tolérance dépend des éditeurs et c'est joué sur les limites. D'accord. Cela concerne que la catégorie libre. Donc on évitera les liens directs. Ce n'est pas mon boulot malheureusement, c'est une activité associative, mais on fait des expéditions financées par les parcs naturels et autres organismes gouvernementaux. C'est super cool.
Tombé sur la chaîne grâce au jeu de Rage. Hop, c'est parfait. Nickel. Alors, on a débloqué ça. La ligne hydraulique qui nous permettrait de pêcher dans les océans. On va enlever le filet, on s'en sert plus depuis quelques temps. Et maintenant, on peut pêcher. Pardon. On peut pêcher côte, au fond, océan, volcan, mangrove, bagage. Il reste, je crois, que les abysses qu'on n'a pas. Les navires font venir des gens de qualité ici, remarque absolument objective. Mais, enfin, je le dis régulièrement, vous êtes une communauté qui est absolument géniale. Peut-être être l'occasion de récupérer les paniers. Ils sont vides, mais on les avait laissés là. C'est des paniers simples, je crois. Non, complexes. On va peut-être pas laisser dans l'eau, effectivement. C'est ton premier passage sur le jeu ou tu sais déjà à peu près de quoi ça parle, ce genre de choses? Vendre toutes les babioles, comment ça, zéro? Portez-vous, tout a commencé. On va l'essayer après. Normalement, c'est, je crois que c'est l'île juste là. Oui. C'est fourbe et un peu marrant que la fin varie selon ton usage des pouvoirs. Mais je pense que je vais pas le faire plusieurs fois en live ce jeu, mais je vais le faire plusieurs fois de mon côté. Je suis quasiment certain qu'il y a plusieurs fois. Ok. Tu sais que c'est cool. Pas de casse. Le bateau va bien. Merci Outsider, complètement. Mais qui voulait un espadon déjà? Ah bah oui, le mec qu'on doit nourrir. Vache. On va pas lui donner celui-là. Bien, c'est nouveau ça. Ah merde, on l'a déjà fouillé ça. Vous avez déjà vidé la cale, ouais, ça. La cabine. Ouais. On l'a eu. Monsieur qui a faim quelque part là-bas. Et un bon petit cooldown. Ça devait être là, je crois.
Ok. Moi, je vois une montagne. Hein. C'est tellement cool comme jeu. Tu escalades pas, je passe au travers. Pour le reste, c'est pas Tintin, malheureusement. Et on voit. Si j'ai que celui-là à lui donner, je vais lui donner celui-là. On devrait... Non, c'est devant encore. Je crois que c'est lui. Ouais. Ah. Sa silhouette encapuchonnée, ça va chier, sa longue tunique gonfle violemment. Crotte. Si vous faites le jeu, les quêtes avec les silhouettes encapuchonnées, ne les faites pas avant de pouvoir pêcher tous les poissons. J'avais pas laissé mourir de faim. Non, c'était un autre que j'avais laissé mourir de faim. Maintenant, on est à deux. J'ai fait deux victimes. Yeah! Mais lui, il avait pas l'air d'avoir particulièrement faim. C'est pour ça que je disais, je pense pas que j'aurais la meilleure faim. C'est celle où tu réveilles les anciens et tout ça. Enfin, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Tu vas sauver le monde? Ouais, super. Bon, il vaut combien celui-là au moins? 113. Ah, il a varié, mince. Ça valait bien le coup. Bon, donc on disait... Je vais adorer ce pouvoir. Raccourci dimensionnel. Voyager sur une longue distance à l'aide de manifestes. Nous, on va là-bas. On va réparer. Va falloir dormir, monsieur. C'est très juste. Je pense que j'aurais pu esquiver cette attaque si j'avais dormi. Bah, on a encore plein de vie. Pas sûr qu'on puisse pêcher, par contre. Hop. Ah, si tu peux, mais... Tu vas juste passer énormément de temps. Oh, alors qu'il y a ça qui est là. Je suis au bon endroit.
Ma tête dit oui, la carte dit non, je pense. Ouais, je suis pas du tout au bon endroit. Direction l'est. Avec tes conneries. Combien? $60, c'est parti. Bon, au moins on a de l'argent. Ça pose moins de problèmes. Alors, ici, il fallait qu'on fasse, si je ne dis pas de conneries. Trouver le blason, c'est ça. Et un congre pourri. Le congre, ça se pêche de nuit. T'as une mission d'aide à la recherche? Oui, une scientifique qui a besoin d'un coup de main. Une espèce d'histoire de calamar géant. Sympa d'aider la science, toujours sympa la science. Faites pas gaffe, je suis suivi par un gros poisson. Nya, pas celui-là. Ah punaise, il me suit encore. Comment je te sème, toi? Oh, avec un appât. Ah oui, évidemment. Ça veut dire qu'il faut retourner dans le marais pour choper des appâts pour pêcher le truc ici. Tu le pêches? C'est lui qui va me pêcher, Gianna. Au moins pêcher le con ou je sais pas quoi. Ça m'intéresse pas. Poison pierre. Avec un peu de bol, on va pêcher la variété qui nous servira. Ah, Acta, tu te souviens à quoi ça sert Ah oui, l'ancien phare. L'ancien phare avec le poisson dans la serrure. Merde. Bah, dis donc. Je peux pas dire bonjour. Que d'autres. Non, lui, c'est lui le sommeil, ça change rien. Ah mais je suis trop bête. Tout à l'heure je disais ce serait bien qu'il y ait un bouton pour patienter jusqu'à la nuit. Il existe déjà ce bouton. Ah.
Diable de mer, parfait. C'est pas celui-là qu'il nous faut, mais on progresse. Je veux juste donner son poisson pourri à la madame qui est là. Voyons voir. Qui se déplace et grandit lentement n'est pas savoureuse. Ok. Au centre des falaises de Soufflevent. Bon, mais il n'y a pas, il va nous falloir des appâts. On va essayer ce... On va essayer avec un déjà. On est tout devant. Et les réparations, c'est pas mal. Une relique HS, ouais, super. On peut mettre des pneus tout autour de notre bateau. Il me semble qu'elle avait dit que ça se pêchait que de nuit. J'espère. Il va nous falloir des explosifs. Dans les interstices entre les pierres, vous apercevez ce qui semble être de grandes dents blanches. Bah, récupère-les. C'est des poissons. C'est des sons. Carrément. Les exemples. Attends, j'ai pas le bon truc. Bon, bah j'ai utilisé mon leurre. Non, j'ai pas paniqué, c'est pas vrai. Et du coup, on a perdu le. Esturgeon. Ah bah il est juste là en fait. Hop. Oh le blason familial, merveilleux.
Un coffre rongé posé sur un tas de débris au fond de la grotte. Il y a du métal raffiné. C'est cool. Et du coup, il faudra qu'on vienne pour pêcher. Que c'est ce truc là. J'ai eu de la chance, j'ai failli faire tomber mon. Sang dans le trackpad, saleté de nez. Ah, t'es du genre qui saigne beaucoup du nez. Ou alors t'es un vampire cannibale. Non, d'où la surprise à la chance. Dans tous les cas, c'est pas cool. Cassez-vous les corbacs. Tazar tigre, mais en plus c'est un prix à frère ce truc là. Ils m'ont piqué mon truc. Rare bande d'enflures, ils sont fatigants. Ça doit être un message de mon corps, va dormir. Quelle heure il est de toute façon? Ouais, de toute façon, nous on va. Je vais aller donner les quêtes et puis on va en rester là. C'est une scène ou si c'est t'as juste du sang dans le nez. Ouais. De toute façon, visiblement la chance nous a quittés. Il est temps qu'on aille se coucher. Toi, t'es avaré. Il me semble qu'il nous faut au moins ça. Congre pourri. Avarié, c'est pourri, non? Là, je suis gardien d'un hébergement comme bénévole. J'attends une arrivée, mais je commence à me dire qu'il y a une erreur de communication. Ah, tu t'es retrouvé embauché pour une durée indéterminée? Ou plutôt volontaire pour une durée indéterminée. Non. J'ai un congre. Montrez-moi. C'est bien un congre, mais il n'est pas assez vieilli. Si je le prends maintenant, le chien va le voler avant qu'il soit prêt. Revenez quand il aura un peu mûri. J'ai personne qui arrive. Ah mince! J'ai l'impression d'attendre Godot. Tant que tu nous fais pas un Shining. Pourri, c'est bon, ok. Donc c'est encore un cran au-dessus. Risque pas, c'est comme chez moi ici. Parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je peux vous donner une petite somme pour vous remercier. Et bon, une petite somme. Bon voyage. Ok, donc ça, c'était la quête secondaire. Et la quête principale, c'est là.
Rebonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous savez comment je peux dégager les débris? Nous avons sûrement besoin d'explosifs pour dégager ces pierres. Mon frère a Morn Fanon en fabriqué. Pour la chasse à la baleine, vous savez, c'était pas très beau, mais maintenant que les baleines ont disparu, elles n'ont pas disparu. J'imagine qu'ils n'exercent plus. Ok, c'est le blason de votre famille. Vous l'avez trouvé? J'aurais jamais cru revoir cette merveille un jour. Mais maintenant, j'ai une autre faveur à vous demander. Vous pourriez apporter ça à mon frère à Morn Fanon? Dites-lui que son frère est désolé et qu'il aimerait rentrer à la maison. Bon, et ben en tout cas, nous on va rester là.